Bon matin tout le monde. Hier, pour ceux qui ont vu mon vidéo, j'ai fait mon live hier vers 2 h et j'ai perçu que le son au début c'était tout comme un écho, là, en cané. Donc, plus tard dans la vidéo, j'ai fait un ajustement puis tout était correct à partir de là. Fait que j'ai nettoyé ma vidéo et je l'ai publiée sur 4+. Vous pouvez regarder, c'est une belle vidéo. Mystère, estampage mystère qui est très la tendance aujourd'hui de cet ainsi. Donc, ce que j'ai présenté au début de ma vidéo, c'était la livraison gratuite aujourd'hui que vous voyez à l'écran à l'heure actuelle. Et seulement qu'aujourd'hui, pour des achats de 65 $ et plus, vous pouvez avoir profité de livraison gratuite de Stampin' Up. Je vous invite de me contacter ou rendez-vous sur la boutique en ligne et utiliser le code OTS qui va être publié dans ces vidéos et partout sur mon site naturellement. Entre-temps, j'y vais. Autre chose que je vais présenter aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai parlé hier, que vous pouvez profiter aujourd'hui pour commander, parce que c'est le temps idéal. Enlève les prix de shipping, puis le tour est fait. Hein? Ça, c'est nos papillons. Nos papillons, c'est la tente est comme ça. Et quand on ouvre, ils sont tous ensemble. Comme vous voyez, j'ai tout coupé mes papillons à l'avance. On étampe une fois. Et on prend notre découpe. Ça, c'est les découpes. On a le découpe pour découper les attentes, ainsi que les papiers. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et j'ai pris la peine de tout découper pour vous montrer ce que ça donne. OK? Donc, ça ici, ça c'est ces découpes ici. Des belles papillons, des belles papillons toutes détaillées. Et avec le gros découpe, le gros poinçon, la dent, comme vous voulez, j'ai découpé tous les papillons du papier DSP, du papier à motif que je vais vous le montrer tout à l'heure. Vous pouvez étamper. Mon étampe est où? Mon projet étampé est là. Vous l'étampez ça. Vous prenez le gros d'ail et vous découpez tous les papillons d'un shot. C'est brillant, brillant, brillant. T'en as des papillons pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes où vous pouvez doubler vos papillons. Vous pouvez mettre un gros et un petit, mais sont tous découpés. Tu n'es pas obligé de couper 250 papillons. Donc, je trouve ça génial. Il y en a, je vous avertis, vous allez voir des démonstratrices qui vont couper leurs attentes et couper leur matrice, leur die. Mais je suggère d'utiliser tes papillons un petit bout avant de décider si vous voulez les couper ou non. Moi, personnellement, je ne découpe pas. Je l'aime de même. Je ne vois pas la raison que je devrais les découper. Ils sont trop beaux. Mais c'est à votre choix. Donc ici, comme j'ai dit, j'ai les papillons à détail. Les papillons que j'ai découpés avec le papier. Et les petits, je ne suis même pas serré. Hein? Je vais vous le montrer. Une de mes clientes qu'elle a commandé, elle m'a dit, oui, mais Jeannette, tu dis, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, ça ici, je ne sais pas si vous le voyez dans l'écran. Ça fait comme des petites lignes là, qu'on pourrait décorer notre carte, l'utiliser comme décoration. Ça, c'est comme un mur de briques. Ça, c'est le négatif et le positif.
Celle-là, je l'ai utilisée dans. C'était dans ma page ou dans une carte. Dans ma page que j'ai publiée dans mon infolettre. Si vous n'êtes pas membre de, abonné à mes infolettes, là, je vous suggère fortement d'abonner. J'envoie des tutoriels une fois par semaine. Et aussi des informations comme des promotions d'aujourd'hui. Les gens, ils l'ont eu tout hier. J'ai pris le négatif et j'ai utilisé avec la pâte à texturer. Donc, la collection Butterfly Brilliance s'inclut les découpes, le jeu de tempes, le papier série design. Papier série design, on est les deux côtés. Comme vous voyez, j'en reste plus grand chose. Ça, c'est le devant. Ça, c'est l'arrière. OK. Ça, c'est le devant. Ça, c'est l'arrière. Ça, c'est ma feuille. Puis j'en ai un autre que j'aurais pu vous montrer. Il est là, je crois. Oui. C'est cette feuille-là qui fonctionne avec les découpes. OK. On prend les grosses découpes. Ça, c'est une retaille de cette feuille-là. Et on peut découper tous les beaux papillons. Je vous avertis que les papillons vont être dans le nouveau catalogue qui va être publié bientôt, même. Le 3 mai, je crois. Et, mais les papiers termineraient le 30 juin. Okay? Les papiers sont disponibles seulement jusqu'au 30 juin. Donc, ça, c'est les papiers. Et aussi, on a notre papier ici, le papier de spécialité touche naturelle. Je vais l'ouvrir et je vais le mettre proche de l'écran. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, là. Je ne sais pas si vous voyez la texture. Je vais prendre mon. Je pense pas qu'on voit à l'écran. Mais à la touche, là, c'est tous les grains de bois, là, tous les grains de bois, là, puis on sent la texture là-dedans. C'est super, super beau. Donc, le papier de spécialité, le jeu de tempes, les découpes qui incluent. Mon Dieu, il y en a. Il y en a 12. 12 de coupe. OK. Puis ça, c'est les résultats. De ça ici, c'est ça. Ça ici, c'est ça. C'est comme des petits. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire. Là. Mais c'est super beau. Ça fait des belles touches des pages, des cartes. Et après, ça, c'est ces deux-là. Et ceux-là, bien sûr, c'est les murs de briques. Donc, les étampes, les découpes, un paquet de papier, 40 feuilles, je crois. Je ne sais pas si c'est 40 ou 48. Et la collection au complet, il est 97 $, plus shipping, plus taxes. Aujourd'hui, on enlève le shipping, donc vous épargnez encore 10% de plus. Parce que comment vous épargnez 10% quand vous achetez le lot. Donc là, un autre 10% pour la livraison. Donc ça va être 97 $ plus taxes seulement. Vous pouvez évidemment acheter séparément le papier tout seul. J'ai une de mes clientes qui a commandé deux paquets de papier. Elle ne veut pas en manquer. Les papillons, les étampes, les poinçons et la touche naturelle. Donc, c'est ça pour les papillons. Et la prochaine, ils sont tellement cute. Je vous montre aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas dans le catalogue. J'ai beaucoup de clients qui disent « Oui, mais j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça. » Donc, mon poussin. Ça, mon poussin, c'était dans le... C'est un cadeau de Celebration. C'est un cadeau de Celebration en 2017. OK?
beaucoup de monde ils l'ont pris comme cadeau. C'est cute, si tu veux qu'on dise. C'est vraiment cute. Mais ce que Stampin' Up! Ils ont fait revenir le poussin, mon poussin. Je vous le montre. J'ai pas eu le temps de le découper encore, là. Mais vous avez des beaux sentiments. Là. Mon poussin sort de ta coquille, passe une belle journée, puis le poussin là. Mais, ils ont sorti, ils ont fait venir ça, mais ils ont aussi sorti le découpe. Donc, si on regarde, je ne sais pas, peut-être, c'est-tu là? Non, c'est pas là. Là, je vais vous faire mes feuilles, là, puis je le publierai quand je l'aurai faite, là. OK, on va le voir, là. Ça, c'est le die de celui-là. On a la découpe pour celui-là. Et celle-ci. Comme ça. Et on est, oui, on a le petit coquille d'œuf aussi. OK. Là, il aurait pu arrêter là. OK? Il aurait pu arrêter là. Mais Stampin' Up, là, ils ont pensé à d'autres choses. Les petites pattes de poulet. Le maïs en épi. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous pouvez couper ça, des maïs en épi. Un petit paquet, une petite clôture. Ça, la maison-là, là, où est-ce que je l'ai mis? J'espère que je l'ai-tu gardé. Oui. Je l'ai découpé, la maison. Le poulailler. Vous pouvez couper toute une pièce. Mais moi, j'ai coupé plusieurs pièces. J'ai coupé le brun, le rouge et le blanc. Et j'ai bâti mon poulailler pour donner un petit peu de vie, là. Je ne peux pas prendre crédit pour ça. Je crois que c'est Erica Serwin. Je crois que c'est elle que j'ai eu cette idée. Et aussi, on a notre plant de maïs en épi. On a une bûche. Et on a une petite pancarte où c'est laquelle qu'on pouvait étamper quelque chose dedans. Donc, ça, c'est les découpes pour ce jeu-là. Je trouve ça vraiment brillant dans le rapport de Stampin' Up! Là, je ne vous montre pas ma face ce matin parce que je suis encore en pyjama. Ça fait longtemps que je suis levée, mais je n'ai pas encore pris le temps de m'habiller. Donc, ça se peut que vous voyez les manches de ma jaquette. Oh, j'ai échappé et je vais aller chercher tout de suite. Avant que je la perde. Elle est vraiment flyée quelque part. Voyez-la. Excusez. Quand on échappe quelque chose, il faut ramasser tout de suite, hein, parce que sinon, là, elle disparaît. Et on ne voit pas pour longtemps. OK. Donc, on va mettre ça, on va serrer ça. Ça. OK, ça c'est ces poulets-là. Dans le catalogue de janvier à juin, à la page, à la page, je ne sais pas. Et je vends le temps, pendant que je trouve cette tempe-là, de vous inviter à participer à mon concours. J'ai fait un concours devinette. Vous allez remplir, envoyez-moi votre 10 choix de ce que vous pensez
qui va être retiré du catalogue annuel, pas celui-là, annuel. Et puis, la personne qui devine le plus, m'envoyez 10 choix que vous pensez qu'il va retirer, là, OK? Et celle qui devine le plus va gagner un petit prix. OK? Je ne dis pas c'est quoi parce que je ne sais pas encore. Donc, salut Poulette. Ça, c'était dans le catalogue janvier à juin. Cependant, il y avait juste les attentes. Il n'y avait pas de déco. Okay. Ah, tant qu'à faire salut Poulette. Tant qu'à faire, oui, ça, mon poussin. Salut Poulette. Ils ont fait des découpes pour salut Poulette. C'est comme tantôt. Celui-là, il va là. Celui-là, elle va là. Celui-là, elle va là. Et ils ont inclus une petite clôture, une bande. Et je vais poster les prix. J'ai oublié de sortir les prix de ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir le petit peu. Donne-moi une seconde. Je vais aller voir les prix. Ah, j'ai pas pensé que ça aurait pu vous intéresser, les prix, hein? OK. Marketing. Ça, c'est sûr que c'est pas dans le catalogue, fait que... OK, il est là. Je ne sais pas si je vais pouvoir un instant. Je vais aller comme ça. OK, pour ce jeu-là, salut Poulette. Le jeu de temps. Le lot est 60 et 25. OK, c'est pour celui-là. Et pour cela, mon poussin. OK, mon poussin est 60 et 25. L'eau salut Poulette, elle est 59 et 25. Donc, c'est ça les prix pour ces deux-là. Et j'ai échappé encore une découpe. En tout cas, ça, je vais attendre parce que je sais qu'il est à faire rester. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez profité de notre livraison gratuite. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Et prenez le temps de regarder ma vidéo d'hier pour le mystère, l'estampage mystère, et publiez votre résultat sur ma page 4 et plus. Et profitez de la livraison gratuite aujourd'hui et soumettez tes devis, tes pensées de 17 ans que vous allez penser qu'il va retirer du nouveau du catalogue. Il ne sera pas dans le nouveau catalogue, OK? Ça veut dire que les attentes qui sont dans le catalogue annuel maintenant, mais il ne serait plus dans le nouveau catalogue qui va sortir en mai. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Et n'oublie pas, aujourd'hui, c'est la journée des Irlandais, Saint-Patrick. Donc, bonne journée de Saint-Patrick.